Ok, le stream est lancé. On va un petit peu patienter, voir si tout passe bien comme prévu. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon, le son il passe. Je vais mettre mon téléphone en charge et c'est parti pour le début de l'ascension avec Mark Henry. Wow, look who it is. Sammy, what happened to your neck? Don't get cute with me. You know exactly what happened. I had no idea who I was facing, and as a result, I lost, suffering emotional and physical damages after you assaulted me with that safe. I am going to sue you for everything you're worth. I'd rather take you on in the ring than in the courtroom. But it doesn't look like you're in any condition to do that. No, I'm not. Thanks to you and your shenanigans. I won't. And second, you know... I actually already told management I was done with the safe. Anyway, just let me know when you're ready to lose to me again. I will, but it won't be a loss for me. And in the meantime, I have one other condition to prevent legal action. First, you must face my hand-picked opponent, so I can rest up and do some extra scouting. Sure. Who do you want me to go up against? Oh, you'll find out in the ring. Not a great feeling when you don't know who you're facing, is it? Ah, j'ai hâte de faire un deuxième combat là. On va avancer un petit peu dans l'histoire. On va casser des bouches là. Un coffre qu'on ne peut refuser. Moi j'accepte. Hein. Si on ne peut pas refuser, ben on va accepter. On n'a pas le choix de toute façon. Sami Zayn. Premier combat, Sami Zayn, on l'a déchiré. J'espère qu'on va en déchirer d'autres, des mecs comme ça. Take a good look at the new face of WWE. It's the Lock. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from New York, weighing in at 444 pounds, the WWE Intercontinental Champion, the Superstar. That Intercontinental Championship looks good on the Lock, doesn't it? Quelle entrée. He won it in his debut and hasn't looked back. Je sais pas, je vais affronter qui. J'ai le suspense. Oh, Ridge Holland. Je sais pas qui c'est. Oh, on va le déchirer. Ah ouais, il croit qu'il va mettre comme ça le KO direct. C'est un fou, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne frappe pas, il croit qu'il... He's trying to get this done fast, looking to avoid going into deep waters. Lock quickly moves. Oh, man. On va le mettre dans le coin, on va le tabasser. He went right into that turnbuckle. Oh, what a close line in the corner. He knows how to avoid contact. Goes gut punch. Nasty. I don't have you walking funny. Oh. Dodges. Ooh, stiff punch. Kick to the gut. Ooh, brutal form. And impactful display of offense we just witnessed there. Holland able to evade. It's big. Voilà, paralysé. Boom. Oh, this
This is not good at all. The pendulum backbreaker stretch. Going for the pin. Oh, c'est qui lui? Sami Zayn. This was all a setup to weaken the Intercontinental Champion before he faces Sami Zayn. Il n'a pas le droit de faire ça. Oh, ça chante contre moi. Some kind of revenge for what happened when the lock debuted. With the deranged Sami Zayn calling the shots, nothing is off limits. Whatever the plan is, Sammy looks to be maneuvering the lock toward the stage. And the lock's helpless after taking that blow from his own chain. On va mettre dans le coffre ou quoi? Rich Holland has brought out the lock safe. What the heck is their plan? Belly to belly suplex on the unforgiving stage. Now what are they going to do? Is Sami Zayn trying to tip the safe over on top of the lock? Those things weigh like a thousand pounds. Vous m'écrasez avec le coffre. This is way worse than what the lock did to Sammy. Our Intercontinental Champion is going to be seriously injured. This is bad. Especially with both of them pushing it now. I don't think I can watch this. Oh non. Gabriel Slade is here. Ah, Gamedy. He's going to put an end to this. Yeah, Sammy and Ridge want no part of him. Oh, no idea if these two are friends. Maybe Slade just didn't want to see someone get squashed. Well, Lock certainly looks frustrated with himself. Or Gabriel Slade, or maybe all of the above. He should just be happy he's walking out of here on his own two feet and not getting peeled off the stage. Lors de ma première apparition pour la WWE, j'ai perdu mon nom, mon gimmick, mon entrée, ma chanson, mon finisher. Mark Henry devrait pouvoir s'en sortir. Hey, you okay? It was almost really bad. Thanks for the assist, but I'm fine. It might not have looked like it, but I had things under control out there. Really? It looked more like you were about to get flattened by a 1,000-pound safe. I respect you wanting to handle your own business, but I meant it when I told you I'd have your back. Look, let's get this straight. I like to do things on my own. It's gotten me this far. Take it from someone who's been here a while. J'imagine qu'on peut se mettre en équipe ou je les affronterai seul. Fine. On va se mettre en équipe. I guess we can team up for one night. Do you want to talk strategy? I'll see you in the ring next week. Il n'y a pas de stratégie, gros. On fonce dans le tas, nous. On improvise. The superstar who's a lot. Always looking to break through to that next level. It's Gabriel Slade.
and his partner from... Sami Zayn, le traître. Il va le détruire. Il vient pendant le combat, il vient avec une chaîne, une attaque. On va lui montrer c'est quoi. Allez, mange ça. Bim, allez. And the Lock and Gabriel Slade need to get on the same page fast if they're going to have a chance against two of WWE's most talented superstars. Now that's what you're là-bas parce que là, il est pressé son pote là pour faire le changement. Là, il n'y aura pas de changement là, t'es dans le coin. Mais tu vas te prendre du sale, mon gars. Allez, voilà. Let's go. Oh, il m'a contré. J'ai pas mon catcheur, ça c'est dommage. Je préfère avec mon catcheur. Il va faire le changement, je crois qu'il va faire le changement. Oui, oh, il a bugué, il a volé un petit peu. Nice amateur takedown. And Sami Zayn reverses. Oh. Il a cru qu'il allait rester comme ça. Non, non, non. C'est pas aussi simple que ça, mec. Oh, il m'a mis dans le coin. Il m'écrase la tête dans le coin du ring. Oh non. Oh, il m'enchaîne. Ah ouais, mais il va en mettre combien des patates là? Dans les corps là, rope break. Voilà, SP. Voilà, comme ça. Changement, ouais, je le savais. En tout cas, Sami Zayn, il a pris cher quand même. Hein. Comment ça, il me soulève? Je fais 200 kilos, frère. Allez, reviens, Sami. C'est à ton tour. Non, pas comme ça qu'on va parvenir. Hein. Does he get it here? He kicks out before the count
starts. Look at the look on his opponent's face, Cole. He can't believe it. Bim. And we see him take yet another shot to the body. He's tall. She got airline miles for that. There he goes, right into the corner. Oh non. Oh, j'étais presque paralysé là. Oh non. Dans les cordes. Bien joué. Ah ouais, mais là il va faire un truc de fou là. Oh my god, ça se passe pas trop bien là. Allez, relève-toi Mark Henry. Faut que je fasse le tag, j'ai pas le choix. Voilà, on va le détruire à deux là. Allez, paralysé. Non, il va contrer. On va faire le changement. Ah. Et on va le contrer aussi. Non. Attends, j'ai fait la touche. Je ne comprends pas. J'ai fait triangle. Il en a un finisher, on va lui mettre. Ah, il met des coups de coude, hein. Simplement deux. Simplement deux. Oh là 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 là. Ça rafale. One. Two. Ah, dommage. Alors, on va envoyer Mark Henry. Il en sent là. Il en sent. Ah, j'ai plus le coup spécial, dommage. De toute façon, là, il a pris cher, lui. Hein. Il y a moyen qu'on le termine assez rapidement, je pense. On a un finisher, on va lui mettre. Oh non, il a réussi à se relever. Dommage. Allez, vas-y. Remets-le-moi sous le ring, là. J'ai envie de taper un petit peu, là.
Envoie-le-moi. Ah, Samy, il est revenu là. Samy, on va le détruire une deuxième fois. Voilà, mange ça. Oh merde! Ah, je l'ai pas vu arriver. Hot tag, avancez votre coin. Ok. Si je peux faire un. Vas-y. Ah bon, on va le faire maintenant. Voilà, c'est fait. Oh, le coup de pied dans la face. Allez, on l'enchaîne. On l'enchaîne. Le coup de pied dans l'abdomen. Dans les abdominaux. Oh, il m'a paralysé. On a eu chaud, hein. On a eu grave chaud. Ah, Samy qui. Oh, il n'y a pas moyen de le finir, lui. Mais il en sent, là. Il a pris cher des dégâts. Après, il va me tuer. Il faut que mon pote il vient m'aider là. Ah, je peux pas. Ah, il m'a sauvé la vie. Non, mais avec le finisher. Je l'ai contré. Je vais mettre mon finisher à moi. S-Beam. Non, Samy qui vient directement. Dégage, Samy. Allez, 1-2, compte vite. Ah, pas possible. C'est pas possible. Ce combat, il va durer 10 ans. Non. Ok, bon, on a réussi à se relever. On va lui faire du sale à lui. Bim! Oh, il m'a contré. J'ai envie de lui faire le coup. Le mettre le lever comme ça. Hop. Et comme ça, voilà. Là, il va prendre cher. On l'attrape par le slip et on le projette dans le ring, sur le dos. Ah là, je pense que ça peut faire très très mal. Et Samy qui m'attrape. Dégage. Yes, victoire. Ah, c'était dur quand même. Hein. Mais on y est parvenu. An emphatic victory for your winners. An impressive effort from this duo. For my money, these two just might be the best tag team on the roster today. So, these interviews for the doc will be quick and easy. It's just like we're having a conversation. I've seen these before. I get it. Okay, good. So, a lot to catch up on. You debuted on Raw, won the IC title. I appreciated the assist, but I wouldn't go as far as to say you're okay, let's not get hung up on semantics.
Sam et Zayn n'avaient pas l'air ravis de savoir que Shawn Michaels te laisse choisir comment défendre ton titre de champion intercontinental. Est-ce que tu penses que ces plaintes sont justifiées? J'ai compris que Sami Zayn trouve toujours le moyen de se plaindre. That's true. I once heard him complain. Really? Oh, okay. Sami likes to sneak attack and run. Well, that's not going. Nice. Really felt the passion there. Ouh, se battre dans une cage contre Sami. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans une cage? Il n'y aura pas d'issue là. Il ne pourra pas faire le traître. Comme des bonhommes dans la cage. The following is the future of WWE. Introducing the champ. C'est bien, viens là. Il n'y a pas de pote là. C'est toi et moi, Sami. Toi et moi. Watch out, he gets his shoulder up. Not the worst idea going for a pin there, but it's close. Great counter, impressive ring IQ on display there. Beam. Right in the head. And Sami Zayn reverses it. Jawbreaker interrupts the attack. Oh non. Ah, heureusement qu'il avait les cornes. Et bim, allez. On va attraper par le callback. Voilà, on le projette. J'ai envie de le foutre dans le coin. Voilà, coup de coude. Une, deux. Ah, il m'a contré. Ah mais j'aurais protégé pourtant. Allez Spear. Enfin Spear ça mais c'est pas mal quand même. Ça par contre. Oh. Oh non! Qu'est-ce qu'il m'a mis? C'est dans les cordes là, ref. Yes, bim. Voilà, le dos qui prend cher. On l'attrape par le menton, par la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. On enchaîne les crochets. On va le paralyser. On va essayer de monter. Je sais pas si ça va le faire, mais on va tenter le coup. Top, but he still has a way to go to end this.
Merde! Non! Mais non, je devais sauter. Je devais faire évasion, j'ai fait l'autre touche. Ah, j'ai déconné. Ah, on va recommencer. On va le faire. Allez, on peut recommencer. Better be quick about it. Not much time to get over. He's made it to the top. Voilà. And victory looking more and more likely for him now in this steel cage match. The longer he's up there, the more fear starts to seep into the mind. Yes, c'est bon, non? Je crois que c'est bon. On a gagné. Here is your winner, and still WWE Intercontinental Champion, the Superstar. Ladies and gentlemen, we have a winner. Or at least. Un coffre con ne peut refuser. On a gagné 10 points d'amélioration. Ah, on a 12 points. Ah, on est vraiment bien là. On va se mettre plutôt bien, je pense. On va mettre soumission. Ah, j'en ai encore 7. On va mettre un petit peu de. Un peu de prise. Ouais. Il ne me reste plus que 2. On va mettre ça. On est passé à 79 de général. Qu'est-ce qu'il dit lui? Rick Brooksrev écrase tout sur son passage depuis que Liv Morgan est devenue sa manager de tournée. On va dire que bah, c'est dans mes cordes. Hein. Moi j'ai peur de personne, on va aller l'affronter. Allez, ramenez-moi qui vous voulez là. Batista, l'Undertaker. John Cena, Randy Orton. Rick, je sais pas quoi là, il va prendre cher lui. Introducing the challenge. The Lock is facing one of his stiffest title defenses yet against the Red Hot Rick Boogs. Boogs' new tour manager, Liv Morgan, will be looking to add to their recent momentum by adding Intercontinental Gold to their gold records. Good one, Saxton. I don't know about you, but I've heard Liv and Boogs are more than just co-workers. I guess you'd know about that sort of thing, wouldn't you, Corey? Allez, mange ça. Another good one. Hilarious. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hold on, why is Dewdrop getting... Oh non, il y a encore un mec qui va arriver là. She either had second thoughts or someone hit a wrong button. Either's possible around here. Oh, the lock hand is the counter. Caught with a neck breaker. Je suis sûr que Sami Zayn il va arriver, il va faire le lâche encore. Kick to the gun. Il a un finisher lui, Rick. Moi j'en ai pas. Putain, il a rien fait du match. Yes, bam. Voilà. Enfin, il prend cher là, il prend très très cher le mec. Oh. Qu'est-ce qu'il fait?
Juste quand je dis ça, karma. Heureusement qu'elle a les cordes. Allez, je vais lui mettre un finisher, il va rien comprendre, ça va le... Dès que j'ai mon finisher, j'hésiterai pas à lui mettre. Oh, this is not good at all. The pendulum backbreaker stretch. Je vais le mettre dans le coin. Je vais faire une petite technique que j'aime bien faire. Hop, allez, on va faire résister les 4 points du ring. Bim. Et l'autre côté, on a oublié. S-Beam, et voilà, et encore une patate, voilà, et encore S-Beam, et paralysie, non, 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 ah, je l'avais presque mon finisher là, je dois recommencer. Ça va aller vite. Non, ah, il va me paralyser. Ah, il va me paralyser, bah oui, c'était sûr. Ah, il va me fumer, il va me fumer, il va me fumer. On va le contrer. Voilà. Quoi? Ça, c'était pas prévu par contre. Genre, il me soulève comme ça, je fais 200 kilos. Il fait des haltères avec mon corps. Il m'a pas respecté. Allez, descends. J'ai raté mon comeback. C'est qui la meuf là? Elle veut quoi elle? Bon, on va jouer comme ça. On va jouer le temps. Au moins, on aura gagné le combat. On va jouer comme l'équipe de France. C'est bon, on a gagné. Hein? Ah ouais! Non, il fallait faire un tombé ou une soumission. On va recommencer. J'aurais dû mettre sur le ring et le pousser, j'ai déconné. Good one, Saxton. I don't know about you, but I've heard Liv and boobs are more than just co-workers. I guess you'd know about that sort of thing, wouldn't you, Corey? Another good one! Hilarious! Pulled back into the hip toss. I don't think people realize the amount of strength it takes to hurl someone like that. Snapping the neck. Yes, bim. Ok, on s'échauffe le poignet. Oh, on lui met la patate du siècle. Il y a un meuble qui va arriver. Ok. Oh, ça on connaît, on l'a déjà vu. Moi je veux mon combat, moi je m'en bats avec la meuf.
worse for wear now. Bim. Taking on some offense, but he expected as much. Allez, reste seul, on t'a dit. Couchez, pas bouger. Allez, dans le coin. Puni. Un peu le dos par là. Un peu le dos par-ci. Voilà. Un peu la patate par ici. Allez. It's about to get worse from here. Bim. Ah merde, il sort du ring, il a peur, hein. Allez, remonte. Remonte, bro. Viens affronter Mark Henry. Allez. Just launched. It couldn't have felt good being shot around like that. We could have a new champion. You gotta be kidding me. I'm absolutely stunned. A display of near superhuman. J'ai un coup spécial là, je vais lui mettre dès que je peux. Voilà la torture là. Voilà, maintenant je le relève. Je lui mets le finisseur. On va juste un petit peu le reculer parce que là il est un petit peu trop près du ring, la corde pour moi. Hop. Yeah, c'est bon. C'est qui elle, Doudrop? I'm so sorry. I don't know why my music hit during your match. So weird. All good. It didn't really affect the outcome. Really? Boogs didn't even notice? Oh, okay. I see what's going on here. You've got a little thing for Boogs. Well, elle amoureuse de lui. He is extremely handsome. And who knows? I honestly don't know how to respond to that. Well, I don't well, really. Elle est amoureuse de mon adversaire, bro. Ah ouais, on doit refaire la revanche parce que il y a un bug de musique, n'importe quoi. Introducing the challenger. Well, this is familiar, isn't it? It's the Intercontinental Champion, The Rock, defending his title against Rick Boogs one more time. Elle a fait exprès la meuf, c'est sûr. The Morgan, of all people, would have had a better handle on the music last week. I guess technical problems happen to the best of us. Sweet, simple Saxton. My money's on the beat, dew dropping one more time. Ah, what a clubbing blow. Voilà, il est énervé, j'ai l'impression, le mec.
C'est pas comme là tout de suite là. He kicks out almost immediately. Clearly not enough damage done. Connecting on the DDT. And just like that, he sent crashing to the floor. Elle est nouveau là la meuf. Heads out of the ring, but needs to be mindful of the referee's count here. Oh my goodness. Bah ouais, mais je me fais éclater là. Et il a pris quoi? Il a pris du rugby ou quoi? Il va jouer le temps. Ah, il va jouer le temps. À part s'il me remet sur le ring. Ah. J'ai pas encore eu le temps de lui mettre un seul coup. On va recommencer là, c'est pas normal. Well, this is familiar, isn't it? It's the Intercontinental Champion, The Rock, defending his title against Rick Boogs one more time on Raw. You think Boogs and Liv Morgan, of all people, would have had a better handle on the music last week? I guess technical problems happen to the best of us. Sweet, simple Saxton. My money's on the beat, dew dropping one more time. Oh non. This again. Encore elle. Qu'est-ce qu'elle veut? And she's distracting the Intercontinental champ. Oh, nice. Ah ouais, mais il profite de ça. Première fois, c'est un accident. Mais là, c'est pas un accident. Là, c'est fait exprès. Et qu'elle dit pas le contraire après. This is not good at all. The pendulum backbreaker stretch. Parce qu'elle amoureuse de lui, qu'elle veut essayer de. Oh, flipping the script on him there. Allez. Finisher. Et bim, bim, bim. Et normalement, c'est terminado. Normalement, je dis bien. Voilà. Son excuse maintenant à la meuf, je suis curieux de voir, elle va dire quoi. Je défie officiellement Mark Henry à un match retour pour le compte de mon nouveau client. T'as perdu les pédales? Boogs a déjà une manager, merci, au revoir. On dirait que ça ne fonctionne pas très bien, c'est pour ça que je prends ta place.
C'est du grand n'importe quoi, Rick. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. J'aurais espéré que tu puisses faire ça pour moi. Oh, ça va trop vite, j'ai pas le temps de tout lire. Ah ouais, il va faire un match mixte. Did you have anything to do with Dewdrop's deranged life? So, nope. But I am. That makes. These two? These are some strange bedfellows. It's musical chair madness here on Raw as allegiances have been upended and new partnerships formed on the fly. That's right, Michael. The Intercontinental Champion has teamed up with the unlikeliest of allies, Liv Morgan, to take on Rick Boogs and his new boo. Looking to catch him off guard. It's going to take more than that to keep his shoulders down. He was down, but he certainly wasn't out. He's got the answer for that one. Into the corner he goes, a perfectly placed target. Est-ce que je peux me battre avec la meuf contre l'homme? Ah non, on peut pas. C'est meuf contre meuf. That's how you wear down your opponent. Might take her head clean off her shoulders. Jarring impact. And now the tag resets the action as the men get set to do battle. We'll be right back.
some good hits. Looking worse for wear in the corner now. Allez, on va le faire du sale. J'ai pas fait la technique encore, j'ai plus là, je vais le faire maintenant. Alors c'est la même. Il a la tête dans le sol. Une, deux, trois, paralysé. Et patate. Elle est presque. Audrenio! Comment elle va, Audrenio? Elle a fait un gros doudou. Ah, je t'avais dit que j'étais en live, je crois. Je te l'avais dit, tu savais. T'as réussi ou pas? Allez, faut que je réussisse à le mettre KO. Ah, t'as juste fait un petit dodo. Et ça a aimé ta gorge ou pas? Est-ce que c'est encore le petit bonhomme de la gorge qui chatouille? Enfin, t'as dit que t'avais mal de gorge. Elle m'a sauvé la vie, la meuf, heureusement. Oui, il est fou le mec, qu'est-ce qu'il fait? Toujours mal, mais avec les médicaments, ça aide. Ah ben. J'espère que ça va aller, parce que ça craint. Tu viens d'arriver, tu tombes malade déjà. Je l'ai évité celle-là. Hein. Oh, ils vont me faire une prise à deux. Il faut que j'arrive à esquiver. Ah, je peux pas. Oh, ils vont me déchirer à deux. Oh, la meuf là va faire quoi là? Oh, elle m'a écrasé avec son gros fiac. Oh my god. Attends, c'est quoi le délire là? Ah, c'est bon, je vais mettre un coup spécial. Allez, le finisher! Voilà, on l'écrase la tête. Oh non, Rob Graves. On va essayer de la mettre un peu plus par là. Voilà, là normalement il n'y a pas de Rob Graves. Ah dommage. Oh là là, Audrenio, je me fais péter le fiac. T'arrives au moment où je me fais péter le fiac. Mon catcheur, il est où là? C'est un combat mixte. Je peux pas utiliser mon catcheur là, je dois utiliser la meuf.
Mais elle est nulle. Allez, je vais changer de personnage là, je prends mon catcheur. Voilà. Hein? Il s'est passé quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai accompli l'objectif et puis le combat s'est arrêté. Ah bah j'ai réussi. J'ai gagné 10 points d'amélioration. On va aller les mettre. Hein. On va mettre un petit peu de défense. Et j'ai encore 7 points. On va mettre en frappe un petit peu. Voilà. On n'est pas amis. Quel méchant. Il a raison. C'est pas notre pote, lui. Félicitations pour ta nouvelle réussite en WWE, mais notre équipe légale nous signale que tu as encore un dernier match à jouer pour ton contrat. Ça ne ferait pas de mal d'avoir une grande star de la WWE sur notre ring, mais les contrats doivent être respectés. Ça sera un match en équipe et tu devras trouver ton propre partenaire. On va demander à Gabriel de faire équipe avec nous. Hein. Après ce combat, Audrey, je vais aller manger parce que j'ai un petit peu faim. T'arrives à la fin du stream, je crois. Ça fait une heure que je suis en live. Je vais aller manger et tout. Il va être 8 heures. Et puis après, ben, je sais pas. Je vais peut-être jouer en multi avec les autres après. On va peut-être jouer à 4 en multijoueur. Avec Noah, Mika et Fabien. Ou Fabrice, je ne sais pas comment il s'appelle le mec. Bon, j'avance un peu rapidement. Je ne lis pas toutes les converses. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'aller manger. J'ai vraiment faim. Je dois aller au Japon. Ah bon, on va y aller. Hein. Préparer le pop-corn. Audrey, elle aime bien les pop-corn. Comme au cinéma avec moi, Audrey, elle prend des pop-corn. Oui, MDR. Ah, je te connais par cœur, Audrey Nio. Je te connais par cœur. Audrey Nio n'a plus aucun secret pour moi. Ah, j'aime bien ce ring, il est stylé. Ah, bah, il était là dans le catch 2022, de ce ring. Cette salle. Ça, c'est mon catcheur, Audrey. Il est stylé ou pas? Je l'ai appelé Mark Henry, comme un catcheur d'avant, qui n'est pas dans le jeu, malheureusement. Bon, il ressemble pas tellement, juste la coupe de cheveux peut-être.
Il a une grosse barbe en vrai, là j'ai pas su la mettre. Mais il avait plus ou moins cette corpulence là, tu vois, c'était un Renoir baraqué, tout gros comme ça, costaud. J'ai gagné la ceinture là, intercontinentale. Là c'est le mode carrière en fait, tu vois. Le mode carrière avec mon personnage. Là je suis qu'au début, hein. J'ai lancé depuis le départ, ben ça fait 1h05 que je suis dessus. Enfin, c'est vraiment le début. Bon, on va essayer de la finir en stream cette carrière. Comme on l'a fini au World Legacy en stream, c'était sympa, tu vois, on peut se faire un petit peu de ça. Après, je pense que je vais reprendre aussi peut-être les Fall Guys en stream, j'aimais bien, les Tours de France aussi. Peut-être un peu de FIFA de temps en temps, mais moins qu'avant malheureusement, parce qu'il n'y a plus de compète. Allez, c'est parti, on va affronter Paragon, Jace et Chosen. Ouais, avec son petit masque là, de Mexicain là. On dirait Rey Mysterio version Wish, on va l'éclater lui. Et stream, l'avant-bras dans la face. Ah ouais, mais il contre bien. Hein. Ah mais on l'écrase au sol, on le projette. Tel un projecteur. Oh mon pote, il m'a aidé à lui mettre une patate. On va lui faire du sale. Lui. On va lui faire des dingueries. On va lui faire des bébés cadom. Et allez, on va le mettre dans le coin. Hop. Vas-y mon coco. Hop. Prise à deux. Voilà. S-bim. S-bim. Oh merde, il a réussi à sortir. Mais on l'attrape quand même. Oh. Oh mais il est pas très très fort le mec là. Vraiment. On le compte tous ses coups, il nous en met pas beaucoup. Par contre, il encaisse pas mal de coups. Hein. Encaisser ça. Ça il sait faire. Hein. On va le mettre dans le coin là-bas. Encore une prise à deux. On va le torturer le mec. On va le torturer. Oh là 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 là. J'aimerais pas être à sa place quand même. Ah là par contre il m'a fait du sale. Allez. Allez, le dos qui va s'écraser dans le sol. Attention! Oh, il contre! Il contre! Il m'a contré! Oh là 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 là! Ah, il revient dans le match là tout doucement! Il va tenter la tomber? Ah, mais pourquoi il tente ça? J'ai plein d'endurance! C'est perdu d'avance ça! Il a aucune chance! J'ai pas pris beaucoup de dégâts! Je suis encore vraiment bien! Ah voilà, là je vais commencer à en prendre des dégâts. Oh, son pote qui l'aide. Ils sont à deux contre moi. Il va me soulever. Comment il peut me soulever? Je fais 200 kilos. Il ne peut pas me soulever. Allez, on va lui faire la prise que j'aime bien. Un peu se péter le dos par ici. Un peu se péter le dos par là-bas. Voilà. Un peu se manger une patate. Voilà. Une deuxième. Une troisième. On va faire le changement. On va prendre lui. On va faire marquer une rive pour un peu se reposer.
Voilà, la torture. C'est la torture. C'est la torture. Oh, il me contre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez. Bim, voilà. Oh, il a fait le changement. Il a fait le changement. Comment on l'a sorti, on l'a fait mal à son pote. Il est paralysé son pote. Donc on va tenter de tomber. Hein. Je sais pas si ça a passé, mais en tout cas on va tenter. Non, ça passe pas du tout. Seulement un. Allez, on va aller faire une prise à deux encore une fois. Oh merde, il m'a contré, son pote. Voilà, Spear. Il est où, Larry? Il est aussi. Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qui le big boss du ring? Allez, remonte. J'en ai pas fini avec toi, mon coco. Ah, bah peut-être que si, en fait. Non, il va me faire quoi? La soumission? Non? J'ai un finisher, là, il faut que je lui mette. On va lui mettre le finisher à lui. Lui, il a une tête de se prendre un finisher, lui. Voilà. Avec son petit masque de Rey Mysterio version Wii. On va d'abord aller. Voilà. Ça, c'est fait. Lui, on va. Non, il m'a contré. Il est paralysé, il fait ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est paralysé, il arrive à faire ça. Oh non! Ah, il sait que je vais faire ça, il le sait. Bon, je vais lui faire la prise que j'aime bien faire. Hein. Non, il m'a contré. Ah, je peux plus faire de prise à lui là. Il a compris mon. Ah, on va paralyser. Encore un coup, il est paralysé. Quoi? Il m'a mis un finisher un peu à la Kofi Kingston. Voilà, on esquive. Faut qu'on fasse le changement là. On a plus beaucoup d'endurance. Voilà. Non. Il a essayé de me faire la soumission. Hein. Il a essayé de me faire la soumission. Il fait le changement avec son pote. Ils sont à 2v1. Ça va être chaud. Ça va être chaud patate. On va prendre cher. On se fait éclater le dos. Voilà, on l'a esquivé. Allez. Allez, on contre. On va mettre la soumission. Allez, faut qu'on force. Voilà, on arrive à sortir grâce à l'aide de notre équipier.
faut que je change de personnage là. Je suis dans les cordes là, monsieur l'arbitre. Hein. Faut que je change de personnage là, il va me faire le finisher. Il va me tuer. Voilà, on a ça contré avec un bon coup de pied dans les yuku. J'ai un finisher, on va lui mettre le finisher, on va pas attendre 12 ans. Voilà, on lui a mis lui, on va lui mettre un petit. Voilà, Conseil, faut pas nous embêter. On fait le tomber. Non, il a réussi à sortir. J'allais gagner le combat. Il frappe mon équipier, il a rien à voir dans le combat mon équipier là. Bon bah moi aussi je frappe le sien du coup. Hein. Boum. Écrasement de la tête dans le sol. Voilà, là j'ai un coup spécial, on va lui mettre sans plus tarder. Il contre, il a contré mon coup spécial. Ah, je suis dégoûté. Oh, il m'écrase la tête. Ah, il m'a mis dans le coin avec son pote là, je suis dans le pétrin. Faut pas dire dans autre chose qui commence par M et qui termine par E. Il m'écrase, ah là, il me plie le genou là, je suis paralysé. Ça sent la douille, comme dirait la section d'assaut. Ah, je saigne. Je suis en sang. Ah, il continue à s'acharner sur mon visage plein de sang. J'ai un finisher, hein. On va lui mettre le finisher. Non. Je change de personnage. Faut que je change de personnage moi aussi. Enfin, si j'arrive à changer de personnage, je suis bien parce qu'il a un finisher, mon. Enfin non, il a un coup spécial. Là, il va mettre la soumission. Heureusement que j'ai mis la révolte. Hein. Sinon, j'allais me faire détruire. Il a paralysé mon pote. Faut que je me relève vite.
Allez, il est où mon pote là? Fasse le tag. Voilà, changement. Ah, ça va être plus compliqué que je le pensais. Ah, le combat là, il est un peu compliqué quand même. Hein. Il est long ce combat. Il est plein de rebondissements. Chaque fois, j'ai l'impression que je vais prendre le dessus, et puis finalement, non. Et puis ceux qui le prennent, et puis. Toi là par exemple, j'ai réussi à contrer, donc c'est moi qui vais reprendre le dessus. Mais jusque quand? Ah là, il a recontré. Et il m'enchaîne avec une grosse patate qui fait mal. Il veut faire le tomber. J'ai réussi à esquiver. Oh non, j'ai raté mon saut. Allez, dégage. Yes, c'est bon. C'est bon, c'est dans la boîte. C'était dur, hein. Mais on y est parvenu. Parce que rien n'est impossible. Impossible is nothing, comme dit la pub Adidas. Impossible n'est pas belge. À ce qui paraît, impossible n'est pas français, mais d'après ce que j'ai vu, je pense qu'impossible n'est pas argentin, j'aurais dû dire plutôt. Ah, je rigole, je te taquine, Audrey. Alors, j'ai gagné 6 points de compétence. Je vais aller les mettre et puis je vais aller manger parce que j'ai un petit peu faim. Ah, j'ai 18 points à mettre. Ah ouais, pas mal. Bon, on va mettre un petit peu en frappe. Un petit peu en défense. Résilience, c'est quoi? Je sais même pas c'est quoi résilience. On va mettre, on verra bien. Voilà. Et je suis monté 80 de général. Plutôt pas mal, bro. Ah, je vais modifier mon entrée et tout. Je vais faire ça en deux spies là, avant d'aller manger. Est-ce que t'as déjà mangé toi, Audrey, ou pas? Je suis sûr que tu es en train de préparer à manger parce que tu parles pas et tout et tout. Moi, je te connais. Non? Est-ce que tu es fâché que j'ai dit impossible n'est pas argentin? Non, pas fâché, toi. Bah non, mais je sais bien. Moi j'ai mis un petit peu au hasard mon entrée, tout et tout. Je vais pas, tu vois, on va faire un deux speed, on va pas se prendre la tête. On va aller un petit peu au pif. C'est mieux de mettre au hasard, tu vois, moi j'aime bien mettre au hasard. Et après je vois si ça donne bien. Film bannière, on va. Je ferme les yeux, tac tac tac. Je m'arrête ici, hop. Ah merde, c'est écrit Drougoulak. Ah, c'est pas grave. Bon, on va mettre ça. Sauvegarder. Valois de Réunion. Je vais sauvegarder la partie. 1h25 de stream, ça va, c'est pas trop mal. Ça faisait 2 semaines que j'ai plus streamé à peu près.
Je vais sauvegarder, je vais aller manger mon vol au vent là qui m'attend. Et après, ben, c'est parti, hein. Hop, option. Voulez-vous quitter? Non, moi je quitte pas, bro. Je veux juste sauvegarder. Hop. Ah, je suis en difficile quand même, hein. Je suis en difficile. J'ai l'impression que c'est facile parce que peut-être parce que je suis fort tout simplement. Non, je rigole. Je vais pas commencer à, tu vois, à faire les mecs arrogants. C'est pas du tout mon style. Enfin, si parfois je le suis, j'avoue. C'est peut-être mon petit péché mignon. Ah, je rigole. Ouais, bon, on va sauvegarder et après voilà, on va s'arrêter là au Dredio. De la Seleção, Argentina. Voilà, c'est à sauvegarder. Normalement, c'est à sauvegarder. Bon, ben, une deuxième fois pour être sûr. Hein. Voilà. Bon, je coupe le stream, Audrey. Et on se capte à la suite, au prochain numéro sur SmackDown.